Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma voiture cette fois-ci pour l'unboxing du 12 décembre. Je n'ai pas encore mis en ligne celui du 11 parce que j'ai des montages à faire dessus, mais j'ai décidé de mettre en ligne le 12 tout de même, puisque en fait je sais pas à quelle heure je vais rentrer chez moi. Là je suis pas encore parti, il faut que je parte, mais ça va me faire arriver un peu tard. Et je sais pas si j'aurai le temps de faire l'unboxing, enfin pas l'unboxing mais le montage de la vidéo et la publication en rentrant. Typiquement hier je suis arrivé à 23h en étant parti à peu près dans ces eaux-là. Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré faire ça dans la voiture. Je m'excuse hein, du contexte, c'est vraiment pas ouf. Je suis un petit peu à l'affût parce qu'il y a les flics juste devant moi, la police nationale. J'espère qu'ils vont pas me contrôler parce que je suis en toute illégalité. Je suis complètement saoul. Mais ça, chut, faut pas le dire. Sans plus tarder, je vais ouvrir la case du 12 décembre sous vos yeux ébahis. Ah. Je sais pas si vous vous souvenez, mais salut Jean-Guy. Mais samedi matin, j'ai fait une petite vidéo et je vous ai dit dedans que il manquait une case, enfin qu'un chocolat avait été mangé dans ma soirée. En fait, c'est moi qui l'ai mangé, je pense, quand j'étais ivre. Et du coup, c'était celui-là, c'était le 12. Je vous montre, hein. Est-ce que je vous mens pas? Hop. Je ne sais pas si vous allez voir le dessin, mais c'est les ours. On les a déjà eus. Le papa ours avec son petit bonnet de Noël et son fiston l'ours. Voilà, donc, je suis désolé. Hein, c'est vraiment pas l'unboxing de ouf. Mais au moins, je suis là. Je tenais à être là pour vous soutenir, pour être présent. Parce que moi aussi, je souffre d'être loin de vous. Ça me fait mal d'être là. Je reviens ce soir, les vidéos reprennent demain, elles reprennent leur cours normal. D'ailleurs, petite information en live, demain soir je vais poster l'unboxing, non pas l'unboxing, le tuto numéro 2, tuto cuisine numéro 2 pardon, tuto de Varo numéro 3, si je dis pas de bêtises, qui sera un tuto cuisine sur le chicken stroganoff. Je ne vous en dis pas plus sur cette recette, vous verrez tout ça demain. C'est une vidéo qui m'a pris du temps à monter. Parce que c'est de la qualité le montage, une fois de plus. On monte en grade. C'est de mieux en mieux. J'espère que vous l'avez remarqué. En tout cas. Quoi? T'as jamais vu quelqu'un faire un unboxing dans sa voiture? Ça te gêne. Ça te pose problème. Non, de nos jours, les gens sont intolérables. Tolérants. Intolérants. Ils sont intolérants avec nous, les youtubeurs. On ne peut plus se filmer tranquille dans sa voiture et discuter sans passer pour un taré. Faut savoir que je suis en fait juste devant un stop. Donc les gens s'arrêtent et ils me regardent. Je pense qu'ils me reconnaissent. Il y en a certains qui me reconnaissent. Salut Mireille! Varos Vlog. Vlogs. Vlogs. Excuse-moi Matisse. Bref, je vais arrêter de faire le con. On se retrouve demain pour l'unboxing du 13 décembre. Et le tuto de Varo number 3. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures fortes en chocolat. Salut!